Mesdames, messieurs, c'est un moment difficile parce que là, après le déjeuner, des talks vraiment très intéressants ce matin. Donc, pour vous maintenir éveillés, j'ai trouvé un truc. C'est une BD qui dépote. Donc, vous allez voir le poids des mots et le choc des images. Donc, le sujet tient en deux mots. Qu'est-ce que c'est qu'un hacker? Qu'est-ce que c'est que l'éthique? Eh bien, je vais essayer de vous montrer. Bien sûr, ça ne marche pas, comme d'habitude. Ça marche plus. Ah, ça commence bien. Ah si, ça marche. Donc je suis Marc-Antoine Ledieu, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis venu avec mon équipe. Merci encore à mes juristes qui m'ont aidé à bâtir cette presse. Mon métier aujourd'hui, c'est d'écrire des contrats dans le numérique. Donc je m'occupe pas mal de problématiques de sécu. Et je remercie Jean-Philippe de ne pas m'avoir assassiné tout de suite avec le côté RSSI. Alors je suis RSSI. Documentaire. Ça veut dire en clair que j'accompagne des clients dans un suivi législatif, jurisprudentiel et la mise au carré de leur contrat presque en temps réel pour ceux qui payent mes honoraires. Voilà, on le fait de manière pragmatique. On a un problème, nous, aujourd'hui, les juristes, c'est qu'on est confronté à une quantité de définitions légales qui sont pas connues ni des juristes, ni des gens qui ont un profil plus tech, comme la plupart d'entre vous. Et ça nous a pris il y a 2, 3 mois. On a lancé, c'est libre d'accès sur technique et droit du numérique.fr, un dictionnaire légal en ligne, gratuit, libre d'accès du numérique, où vous trouverez quantité de définitions légales. Je vous en montrerai une ou deux. C'est un outil de travail pour nous qui nous permet d'écrire des choses pas trop déconnantes dans les contrats, qu'on soit côté prestataire beaucoup ou côté client. Pour vous rendre tout ça un peu sympa, bah voilà, vous avez un aperçu. C'est quand même moins pénible quand c'est expliqué en BD. Donc vous allez avoir d'un côté des personnages de You, première mission, et puis des pictos qui vont apparaître, qui essaieront de vous faire une petite synthèse parfois, ou qui vous poseront les termes des problèmes. Bah, j'ai pris ce terme de cybersécurité au lieu de mettre sécurité des systèmes d'information parce que ça ne rentre pas dans les cases. Et puis là, vous voyez bien, système d'information. Oui, chef. Voilà. Donc aujourd'hui, pour les 30 minutes, et Jean-Philippe, merci de m'aider pour le timing parce que mon truc n'a pas marché comme d'habitude. Je vous souhaite la bienvenue dans You, première mission. Et voyez, c'est l'image de la première de couverture du tome 1. Voilà, ça résume assez bien l'univers dans lequel je vais vous promener aujourd'hui. Le plan, il est ultra simple. Qu'est-ce que c'est qu'un hacker? Qu'est-ce que c'est que l'éthique? Donc on va commencer par des définitions et des exemples, parce que j'ai interrogé certains membres de l'OSIR, dont je tairai le nom vu la qualité des réponses auxquelles j'ai eu droit. Et dans un deuxième temps, on va faire un petit cas pratique. Oui, je baisse les yeux en disant ça pour éviter que de les dénoncer tout de suite, parce que j'ai de l'éthique professionnelle, je ne dénonce pas mes clients. Voilà, donc on va commencer sur des bases saines, des définitions essentielles. Alors, quand j'aborde des problèmes ultra techniques, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un hacker, qu'est-ce que c'est que l'éthique, moi je commence par chercher dans les dictionnaires. Un hacker, c'est un mot anglais. Vous voyez cette définition du Oxford Learners, elle est très intéressante parce qu'on vous dit c'est une personne qui va utiliser un ordinateur, bien sûr, pour accéder à des données. Hein, c'est access to data. Pour entrer dans le système d'information, le système téléphonique, sans permission. Donc ça, c'est vraiment la définition de base. Elle est intéressante. Parce que vous allez voir, quand on prend une définition française, donc là j'ai été chercher dans le Larousse, sur le hacker, on vous dit personne qui va chercher à s'introduire frauduleusement dans un système ou un réseau informatique. Et là, on disait sans permission, c'était un terme neutre. Là, vous voyez le terme frauduleusement, effectivement, vous en avez parlé ce matin, c'est un terme qui est difficile pour nous, les juristes, à manipuler, mais on sent qu'il y a déjà une connotation légale. On s'introduit frauduleusement, il y a une fraude, on sent que ça sent pas bon, quoi. Et l'autre intérêt de cette définition, c'est par jeu, goût du défi ou souci de notoriété. Alors là, tout le côté pirate qui se fait du pognon, le ransomware et compagnie, pas du tout. Donc c'est des définitions qui sont parfois un peu datées, mais qui sont intéressantes. On voit là le côté légal commence à arriver et le côté moral. Alors voilà, alors celle-là, elle m'a beaucoup plu parce que quand j'ai donc bâti cette presse, j'ai interrogé des professionnels de la sécurité, des systèmes d'information, dont certains sont à l'OSIR. J'ai eu droit à cette définition, c'est quoi pour toi un hacker.
Et là, j'ai eu droit à ça. Voilà. Un bricoleur intelligent, donc ça part bien déjà, qui dépasse un peu la loi. Je cite, hein, pour le bien commun. Donc en fait, ce qui est assez marrant, bon, déjà, il y a un aspect très intéressant, c'est intelligent. Donc on ne peut pas être con quand on est hacker. Bon, ça, c'est lui, il est intelligent. Donc forcément, il y a des gens intelligents autour de lui. C'est pour ça que je ne le fréquente pas beaucoup, qui dépasse un peu la loi. Alors, il y a la loi, il n'y a pas la loi, mais on la dépasse un peu pour le bien commun. Là, c'est pareil, on est vraiment dans une considération purement morale et on va voir ce que ça donne. Voilà, je vous ai promis une presse avec des images qui sont assez parlantes. Ne quittez pas les lieux, je vais essayer de vous montrer ce que c'est que l'éthique ou la morale avec toute la mauvaise foi qui me caractérise. On a été chercher à quoi correspondait ce terme d'éthique dans un univers professionnel. Eh bien, on a trouvé, voilà, le titre du bouquin, c'est Archéologie des rapports entre le droit et la déontologie en France. Bon, déjà, on ne va jamais lire un truc pareil, mais pourquoi pas. Donc, les mots-clés qui étaient intéressants dans cette définition, c'est l'éthique, en fait, c'est les codes de déontologie. Okay? Donc, vous voyez, éthique, déontologie, et tout de suite, on voit le mot morale. La morale d'une profession, un code de déontologie, c'est la morale d'une profession. Donc, vous voyez, vous allez avoir un glissement sur mes pictos. On va parler d'éthique, et puis on va surtout parler de morale. Et vous allez voir, quand on utilise le terme morale au lieu d'utiliser le terme éthique, les choses changent assez radicalement, et ça vous fera peut-être prendre conscience que les médias, notamment, vous racontent beaucoup de bêtises. Ensuite, sur cette notion d'éthique, là, tout simplement, Larousse. L'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. Donc on reste dans l'univers de la sécurité des systèmes d'information. Vous voyez, quelles que soient les définitions, on a ce terme de la morale qui ressort. Alors, la morale, la philosophie, la morale religieuse, la morale politique, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais toujours, si vous entendez le mot éthique, remplacez-le par le terme morale et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, alors là, c'est une définition qui nous est propre. En fait, la morale, c'est quoi? C'est une interprétation individuelle et subjective par un humain, une humaine, bien sûr, d'une situation ou d'un fait. Et là, vous avez cette illustration de la BD. Je n'ai pas modifié les phylactères, c'était vraiment comme ça. Bon, c'est un univers apocalyptique avec des tueurs, hein, vous allez voir. Adieu infecte humanité. Donc là, il y a un jugement qui est moral. Okay? Et un jour, nous serons loi. Un jour, nous serons normes. Donc, il y a un jugement moral du personnage et il va essayer de faire adopter sa morale par le collectif pour essayer de supplanter la loi visiblement actuelle. Alors là, j'ai mis un autre exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un hacker moral? Vous voyez ces deux personnages avenants, souriants, sympathiques, qu'on a envie d'aller rencontrer tous les jours. Pas par là, petite, fous-moi le camp. Ça, c'était les phylactères de la BD d'origine. Et je vous ai mis une des réponses que j'ai eues, qui était sur le ton de la boutade, mais voilà, moi je suis éthique. Oui, je suis éthique. Je ne hack pas les filles. Ça donne une idée de la perception qu'on peut avoir de l'éthique. Chacun va avoir sa propre éthique, sa propre morale. Et on voit bien qu'au final, dans un état de droit, et on va y venir, ça ne peut pas tenir très longtemps. Puisque si on oppose la morale, l'éthique, de l'autre côté, dans un état de droit, et on va y venir sur ce que c'est que la violence légitime, le monopole de la violence légitime, la légitime défense, on voit que nos sociétés démocratiques, alors là, je vais insister là-dessus, nous, on a des règles de droit. Et c'est quoi une règle de droit? La loi, vous l'appelez comme vous voulez, hein, c'est pas une définition qui est juridique, mais les règles de droit, ce sont l'ensemble des règles obligatoires visant à organiser une vie en société. Alors le droit pénal, bien sûr, c'est la base. On a du droit civil, on a du droit du travail, et il y a un droit de la sécurité des systèmes d'information très largement ignoré par beaucoup de professionnels dans la matière qui se réfugient du coup derrière la notion d'éthique. Je ne connais pas les règles, mais je suis éthique. Ah ben ça va, on est sauvé. Et justement, ce qui est le plus frappant quand je travaille avec des pros dans la cybersécurité, la sécurité des systèmes d'information, c'est cette maxime. Alors, nul n'est censé ignorer la loi, il faut être très clair. Ça ne veut pas dire que vous et moi, on connaît l'ensemble des textes qui s'appliquent dans les différentes matières. Ça n'est pas ça. Ce que ça veut dire, eh bien, ça n'est pas moi l'appareil qui vous le précise, c'est la Cour de cassation quand même. On ne peut pas se servir de son ignorance quand on est accusé pour dire
je ne risque rien. Vous faites quelque chose de contraire à la loi, vous ne le saviez peut-être pas, mais vous ne pourrez pas vous justifier, vous ne serez pas exonéré parce que vous ne saviez pas. Vous ne saviez peut-être pas, ça d'accord, mais si vous faites sans savoir et que vous causez un dommage, eh bien, vous ne pouvez pas vous justifier légalement en France par cet argument. D'où le personnage sympathique qui vous le dit là, bon, si vous comprenez pas ça, bah, vous êtes sourd, vous ne savez pas lire, hein, tout simplement. Et le nul n'est censé ignorer la loi, ça vient des Romains, donc ça remonte un peu. Là, je ne vais pas rentrer dans un grand débat philosophique, je vous fais juste une ou deux slides. Le droit et la morale. Je ne suis pas un grand philosophe. En fait, c'est quoi les sanctions? En fait, quand on est dans un système de droit qui est organisé, qui est structuré, d'un côté, vous avez donc les sanctions pénales, la punition, je suis condamné à de la prison, à une amende. Et puis ensuite, il y a l'indemnisation civile, j'ai causé un dommage, je vais verser des dommages et intérêts. De l'autre côté, quand on est sur un système de valeurs morales, là, si, la sanction, c'est ben, j'ai des remords, j'ai des regrets, on en a parlé ce matin, c'était assez intéressant. Mais en fait, c'est en bas que c'est intéressant surtout. C'est que si je décide qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, dans un état de droit, hein, j'insiste beaucoup, il y a un monopole de la violence légitime. Et c'est un peu là-dessus que je vais insister, la violence numérique, hein, bien sûr. Ben, la violence physique, oui, mais là, on va se placer sur la violence numérique. Là où, de l'autre côté, quand on est sur un jugement moral et qu'on estime que sa morale a été bafouée, ben, on va se venger. Et la vengeance n'a pas de limite. Et donc, ça, c'est pas acceptable dans un état de droit où il y a cette organisation du monopole de la violence légitime. Alors voilà, je vous ai juste mis un exemple parce qu'on en a trouvé plusieurs avec mon équipe. Le droit, parfois, tient compte de la morale. Alors je vous explique ça depuis que j'ai trouvé cet article 371 du Code civil. Je l'ai imprimé en grand, je l'ai mis sur la chambre de mes ados en leur rappelant qu'ils devaient honneur et respect, surtout à leur père, bien sûr, et à leur mère. Ça n'a pas marché, inutile de vous le dire, dans un état démocratique comme ici, c'est pas terrible. Mais j'espérais qu'ils me disent « oui, chef », chacun d'entre eux. Ça a foiré. Et juste un deuxième exemple, et je n'insisterai pas là-dessus, parce que je vais surtout aller sur le petit cas pratique, le droit n'est pas toujours moral. Et un exemple très parlant pour ça, c'est la prescription de la poursuite des délits. Au bout de 6 années révolues, l'action publique n'est plus possible, c'est prescrit. Ça n'est pas très moral, mais à un moment, la paix sociale fait que, eh bien, on ne va pas pardonner. Ça, c'est un jugement moral. On va oublier, on va arrêter les poursuites légales. Donc ça n'est pas moral, mais c'est légal. Et vous allez voir, c'est le fond de mon discours. Donc une première conclusion, alors c'est à l'emporte-pièce, c'est excessif, bien sûr, mais si on veut bien voir les choses un peu objectivement, une première conclusion, si vous êtes, vous, professionnel de la cybersécurité, alors vous allez voir, je vais vous détailler ça sur quatre, vous voyez les quatre pictos, vous êtes DSI, RSSI, vous êtes en entreprise, vous pouvez être un professionnel de la sécurité, une entreprise extérieure, vous pouvez être un chercheur en cyber, ou vous pouvez être l'artisan bricoleur, le bricoleur amateur. Eh bien, on va voir dans quelle mesure il faut vous interroger. En fait, aujourd'hui, pour faire cette distinction entre est-ce que c'est légal, est-ce que c'est moral, ben, faut déjà vous demander, alors, je le reprécise, on est dans un état démocratique, dans une société de droit, un état de droit. Eh bien, la première question à vous poser quand vous avez à faire quelque chose, ça n'est pas est-ce que c'est moral, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Non. D'abord, on se demande si c'est légal. C'est la première question. Et là, vous allez voir que je suis un très grand scientifique. Donc d'un côté, il va y avoir oui, de l'autre côté, il va y avoir non. Donc, s'il y a un texte de loi, une règle légale, une jurisprudence, ben, on commence par la respecter. C'est la base. C'est ça, un état de droit. Et en sens inverse, vous ne savez pas, le fameux nul n'est censé ignorer la loi, on ne peut pas tout savoir. Si vous ne savez pas qu'il y a une règle de droit, alors une jurisprudence, une loi, vous le tournez comme vous voulez, ben là, vous avez deux options. Soit vous allez voir un professionnel qui, a priori, connaît un peu le sujet et qui pourra vous éclairer. Et si vraiment il n'y a pas de règle légale, là, à ce moment-là, vous pouvez essayer de faire jouer la morale en estimant le bien, le mal, en fonction
de votre propre perception du problème. Parce que la difficulté, elle est là. Alors, une fois que je vous ai dit ça, en fait, il y a une deuxième manière d'aborder le problème pour les professionnels que vous êtes, qui sont ces notions de pirate, corsaire, mercenaire et justifié. Et justicier, pardon. Et là, je vous fais 20 secondes par picto pour essayer de vous éclairer sur ce que veulent dire ces mots et comment vous pouvez les utiliser dans votre cadre professionnel. Alors là, tout de suite, le côté pirate, c'est un gentil pirate, pirate des Caraïbes. Non, un pirate, c'est un assassin, c'est un tueur qui fait ça pour l'argent. Le pirate, il n'a pas de règles, à part les siennes. Rien n'est sacré pour un pirate. Et dès que vous regardez au 17e, au 18e, ou même encore aujourd'hui, hein, on a encore des phénomènes de piraterie, le pirate n'a qu'un seul intérêt, c'est le sien, et n'a pas de limite. Donc voilà, donc, par cette slide, vous voyez que le pirate ne respecte pas de droit, il n'a aucun droit à part le sien, et il n'est pas protégé par cette notion de violence légitime. Il va appliquer sa violence avec l'extrémité que vous pouvez voir sur cette illustration. Est-ce que le pirate est moral? Voilà, après, je vais vous ponctuer mon discours en vous demandant juste, est-ce que pour vous, le pirate est moral? Alors, s'il a sa morale à lui, ça va être quand même un peu court pour essayer de justifier ce qui se passe. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si vous allez voir dans le Wiktionary, pirate informatique, là, c'était vraiment une définition qui est très courte. Vous voyez, là, on tape directement dans le légal. Un pirate informatique est une personne qui enfreint la légalité informatique. Donc là, on est sur un jugement qui est purement juridique. Donc, vous voyez le picto qui est barré. Est-ce que cette personne qui enfreint la légalité informatique est morale? Est-ce que cette personne agit dans la morale? Je dirais, on s'en fout. On va commencer par respecter les règles de droit, la loi, et ensuite, on va réfléchir si c'est bien ou si c'est mal. L'autre définition qui est assez intéressante, c'est la définition de corsaire. Alors, dans le temps, globalement, on est au 16e, au 17e siècle. C'était quoi un corsaire? En fait, c'était un équipage, l'équipage d'un navire. J'ai un peu simplifié parce qu'il n'y avait pas trop la place dans la slide, qui était par contrat habilité par le roi à l'époque à aller attaquer la flotte adverse. Donc le roi de France était en guerre contre, enfin oui, le roi de France était en guerre contre le roi d'Angleterre, ce qui a quand même duré un certain nombre de siècles. Eh bien, l'État, par contrat, autorisait des corsaires à aller attaquer, bon, les vaisseaux de guerre, en général, ils s'y essayaient pas trop, mais surtout la flotte civile adverse. Et bien sûr, après, fallait se partager le pognon. Donc, il y avait aussi une motivation derrière. Mais ce qui est intéressant dans ce raisonnement, c'est que moi, professionnel de la cybersécurité, si j'ai conclu un contrat avec l'État, eh bien, je bénéficie de la violence légitime. Je suis autorisé pour agir pour compte de l'État. Donc, je représente l'État. Donc, j'ai les droits, entre guillemets, de l'État. Est-ce que c'est moral ou est-ce que c'est pas moral? Ça, je le laisse à votre appréciation. Enfin, vous voyez que les personnages, eux, ils sont extrêmement motivés. Pour partir à l'assaut. Et c'est là où, de temps en temps, ça vaut le coup de réfléchir 2 secondes. Vous voyez cette notion de violence. Pareil, j'ai été prendre dans le petit Robert une définition que j'ai un peu simplifiée pour que ça tienne. Mais voilà, la violence, c'est l'abus de la force, éventuellement numérique. Ça, vous voyez, je vous l'ai mis entre crochets. C'est agir sur quelqu'un contre sa volonté. Et là, on rejoint la notion de consentement qui est difficile, effectivement, quand on est la victime, est-ce qu'on le sait? Mais là, la slide, elle est assez parlante. Il y a bien quelqu'un là qui va subir une violence. Là, elle est très physique, elle pourrait être numérique. Mais voyez, on va agir contre la volonté de quelqu'un, ou sans qu'il le sache, mais ça rejoint cette notion de violence. Et c'est là où nous, Français, nous, Occidentaux, dans une certaine mesure, on a un discours qui est... On est déjà préformaté, puisqu'on a cette notion de violence légitime dont le monopole est confié à l'État. C'est une des définitions de l'État de droit, c'est qu'on va structurer la capacité à utiliser la violence, qu'elle soit physique ou qu'elle soit numérique. Et vous voyez, c'est tout simple, hein, l'armée, la police, la justice. Et pour le commun des mortels, les professionnels que vous êtes, que nous sommes éventuellement nous aussi, on a une exception qui est la légitime défense. Vous voyez, d'un côté, vous avez le monopole de la violence légitime, et de l'autre côté, la légitime défense.
Et pourquoi c'est important dans un état de droit, c'est que cette notion de légitime qui pourrait être extrêmement morale, elle est appréciée par des juges. C'est encadré par des codes de procédure, par des règles, par des normes. Après, il y a toute la pyramide, effectivement, où on va avoir des grands principes et puis du détail. Mais globalement, cette notion d'état de droit pourra savoir si vous, professionnel, lorsque vous faites des trucs ou vous êtes machin, demandez-vous si vous êtes bien en train d'exercer un monopole, en train d'exercer une violence légitime. Et si vous êtes dans le cadre de la légitime défense, voilà, je vous ai juste mis le texte du code pénal, vous voyez, c'est pas très très long. C'est quoi la légitime défense? Alors d'abord, c'est un danger actuel ou imminent, on voit la proximité, qui menace une personne, qui menace une autre personne ou un bien. Et pourquoi j'ai mis le mot bien en gras, c'est qu'on a ce problème du hackback aujourd'hui, donc on n'aura pas le temps d'en traiter aujourd'hui, mais on a ce problème du hackback, et donc on va avoir un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien. Et là, légitime défense, c'est disproportion entre les moyens employés ou la gravité de la menace. Donc là, on va se retrouver là aussi avec un jugement qui pourrait être moral, et c'est apprécié par les tribunaux derrière. On essaie voilà, n'est pas pénalement responsable. Si vous utilisez la légitime défense, donc on est sur une notion de défense, de sauvegarde, eh bien, il faudra qu'il y ait une proportion entre l'attaque et la réaction. Ce qui pose un énorme problème en matière de cyberattaque, intrusion, on va y venir dans un instant. Encore deux notions qu'on va balayer un peu rapidement. Un mercenaire. Un mercenaire, c'est quoi? À la base, c'est un soldat. Et vous voyez, je vous ai pris la définition là, qui est assez marrante du Larousse, qui sert à prix d'argent. Donc je me mets au service d'un État, d'une armée, moyennant rémunération. Et ce qui peut être tout à fait le cas d'un professionnel de la cyber, on va, pareil, prendre un contrat, on va signer un contrat avec l'État, et là, on va se retrouver, pareil, dans un cadre de violence légitime, qui va être la violence acceptée, tolérée ou demandée par l'État. Donc, on est couvert juridiquement. Après ça, est-ce que c'est moral ou est-ce que ça ne l'est pas? Je le laisse à votre appréciation. Dernière définition avant d'attaquer le petit cas pratique, vous allez voir, c'est quand même, ça se comprend, c'est le justicier. Alors vous avez bien vu que j'aime bien la BD, donc pour moi le justicier en BD, bah, c'est Batman, hein, direct. Donc vous avez cette aile, et c'est quoi? C'est un redresseur de tort. Et nous dit bien le Larousse, une personne qui agit en redresseur de tort sans en avoir reçu le pouvoir. Donc là, un professionnel, un justicier, c'est pas un professionnel, c'est un pirate. C'est clair. Il a peut-être ses considérations morales à lui, mais en tout cas, il n'a pas le droit. Et s'il utilise de violence, même numérique, il ne sera pas dans le cadre d'une violence légitime. Donc, on est vraiment dans l'appréciation qui est purement morale. Et vous voyez dans les dialogues qui sont un peu trafiqués quand même. Alors, Batman, on se prend pour Robin des Bois. C'est ça la réalité du justicier. Donc voilà, ça je vous l'ai dit, le gros delta. Donc pour moi, aujourd'hui, dans ma perception de ce que c'est qu'un hacker, c'est un pirate ou c'est un justicier. En tout cas, il n'a pas le droit d'utiliser ce concept de violence légitime. Bon, ça va. J'ai le temps de vous traiter tranquillement le petit cas pratique. Donc, hacker éthique, cas pratique, cette slide ne sert absolument à rien, mais cette BD était assez sympa pour ça. Il y avait des images en grand écran que je vous passe. En fait, quand j'ai commencé à réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'un... Alors, vous voyez, là déjà, sur les pictos, avant, c'était hacker éthique. Maintenant, vous voyez, c'est pirate moral. Est-ce qu'un pirate peut être moral? Et j'ai essayé de prendre 5 cas. On n'en verra que 2 aujourd'hui, parce que sinon, ce serait un peu long. On va voir la différence entre un pentest et un délit d'intrusion. Et je vous toucherai un mot sur un sujet que personne n'a évoqué ce matin, qui est le bug bounty. Et le hackback, la détention d'armes numériques ou la fabrication d'armes numériques, on fera ça un autre jour. Et pour essayer de poser un peu sereinement, alors évidemment, je réagis en avocat avec des règles de droit, dans un état de droit, la violence légitime, tout ça. En fait, il y a le premier delta à faire, c'est soit on est un professionnel, on est une entreprise, soit on est un bricoleur amateur. Et le gros de la distinction se trouve là. Et quand vous êtes un professionnel, une entreprise, vous avez 3 types en fait, d'activités. On l'a vu tout à l'heure. Vous êtes DSI, RSSI, donc là, c'est le côté interne.
qu'on peut être aussi externalisé, le professionnel de la sécu indépendant qui fait de l'audit du pentest, et bien sûr le chercheur en matière de cyber. Alors, intrusion, là pareil, cette slide ne sert à rien, mais je l'ai trouvé vraiment, vraiment super sympa. Juste un petit rappel, et là c'est le légaliste qui vous parle. Qu'est-ce que c'est qu'un système d'information? Ça, c'est un truc chez les juristes qui pose des problèmes terribles. Vous, vous le percevez souvent de manière juste, mais un peu irrationnelle. Un système d'information, d'abord, c'est le terme en droit civil. Puisque le terme en droit pénal, en France, ça s'appelle un système de traitement automatisé de données. Et ce qui est très marrant, c'est qu'autant on a une définition légale qui est très claire de système d'information, voilà, qui est là. Donc là, vous l'avez résumé de manière un peu à l'arrache, mais ça nous vient d'une directive européenne de 2016. C'est du matériel, du logiciel, des données. Vous touchez à un des trois, eh bien, vous touchez à un système d'information. Là où, au contraire, effectivement, vous l'avez dit ce matin très justement, la notion de droit pénal de STAD, système de traitement automatisé de données, on n'a pas de définition et on rame depuis des années avec la jurisprudence pour dire « Ah bah tiens, il y a une base de données protégée par un login password, c'est un système d'information, un site web, ah bah c'est un système d'information ». Donc le droit pénal rame beaucoup, au final, quand même, hein, dès qu'on va taper sur du matériel, y compris le réseau d'ailleurs, enfin le matériel logiciel réseau, logiciel et données, on est bien sur du système d'information. Donc dès qu'on va parler système d'information, accès, maintien dans un système de traitement automatisé de données, voyez le tarif, si on est juste en droit pénal. Et ça, c'est juste le 323.1, le fameux 323.1 du code pénal, loi Godefrain, tout ça. Vous voyez, 2 ans, 60 000, 3 ans, 100 000, 5 ans, 150 000. Donc ça commence à taper au niveau du tarif. Donc il n'y a peut-être pas beaucoup de sanctions, mais celui qui se fait toper, en général, il n'est pas très, il n'est pas très joyeux. Et donc maintenant, je vais essayer de vous montrer voilà, avec des concepts simples, bien sûr un peu outranciers. Voilà. Pour moi, le bricoleur amateur qui se prétend hacker, c'est ça que j'ai envie de vous montrer. C'est un enfant avec une arme qui le dépasse. Donc on peut y mettre un jugement moral, ça j'ai pas de problème, mais pour moi, le bricoleur amateur, le hacker, le classique avec son hoodie dans sa chambre de bonne, qui serait plus ou moins génial, c'est quand même un peu ça. Et là, vous voyez, je vais juste vous illustrer mon propos avec un jeu de picto. Le bricoleur amateur, lui, il n'a pas de contrat, il n'a pas d'autorité légale, il n'a rien, il n'est pas prestataire. Donc lui, directement, dans ma conception de juriste, lui, c'est un pirate ou un justicier. Donc il peut se réfugier derrière des considérations morales, mais en tout cas, il n'aura pas le droit pour lui. Voilà, donc pas le droit, pas violence légitime, machin. Donc là, il y a un risque, au sens pénal du terme, il y a un risque d'être condamné pour accès maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, ça ne fait pas photo. Donc ça, c'est le bricoleur amateur. Et ce qui me fait souvent sourire, j'en ai eu un dans mon bureau il y a quelques années, c'était vraiment la caricature, il me disait « Ah, mais moi, je suis éthique, je suis moral. Bah, » Vous l'avez sur l'illustration, là, « Ah bon, bah, vous êtes éthique, je suis rassuré. » Super. Enfin, je n'ai pouvoir de rien, je ne suis mandaté par personne, je me fais plaisir, je me venge. Est-ce que c'est moral? Peut-être, parfois, mais les juges ne sont pas trop là pour faire de la morale. Et voyez, autant vous avez vu cet enfant avec cette arme, autant là, voilà, pour vous illustrer pour moi la différence entre le bricoleur amateur et le professionnel, bah c'est ça. Les professionnels, ils sont, bon là, ils sont un peu armés quand même, mais ils sont équipés, ils sont structurés, ils sont organisés. Il y a des règles que n'ont pas le petit bricoleur. Et ces règles, elles s'imposent de la même manière, qu'on soit en interne, en externe, qu'on soit un DSI, qu'on soit un pro de la sécu, qu'on soit un chercheur, les règles sont les mêmes pour tous. Et là, on ne peut dire qu'on est un professionnel. Et vous voyez, là, sur cette illustration, elle referme son casque, c'est You, d'ailleurs, qui est une tueuse mercenaire dans cette BD. You, bah, à un moment, elle ferme son casque, elle est prête. Voilà. Je vais juste vous faire une petite illustration sur la manière dont moi je vais appréhender juridiquement cette notion de professionnel de la sécu. Est-ce qu'il fait de l'intrusion? Est-ce qu'il fait du pentest? Bah, le critère, il est simple, c'est le contrat. À partir du moment où il y a un contrat avec une entreprise, un service de l'État, une association, ce qu'on veut, là déjà, ça va bien se passer, enfin ça devrait bien se passer. À partir du moment où on a un cadre légal, contractuel, on devient prestataire,
peut-être mercenaire, mais ça ne change pas grand-chose. En tout cas, on n'est plus un hacker au sens où il n'y a pas de règles qui s'appliquent. Voilà, donc on n'est pas un pirate, on n'est pas un justicier, on a le droit d'utiliser d'une certaine violence dans le cadre de ce qui est admis par la loi et par le contrat, mais a priori, je dis bien a priori et pour le faire en grande masse, on n'est pas en accès et maintien frauduleux. Mais quand on est un professionnel et qu'on fait du pentest, est-ce que c'est moral? Je vous laisse apprécier. Et je vais vous prendre pour terminer le problème du bug bounty. Alors, voilà, ça j'ai bien aimé cette slide qui sert à rien non plus, mais le côté ça fait un peu peur, il y a des pics partout, oh là là, je vais aller détecter des trucs bizarres. Le bug bounty, c'est quoi le fond du problème? Ben, c'est je suis une entreprise, un professionnel, un service de l'État, j'ai un système d'information, éventuellement je commercialise un logiciel ou un service cloud, service en mode SaaS, très bien. Je vais essayer de savoir si j'ai des vulnérabilités qui existent. Est-ce que j'ai pris un malware dans mon système d'information? Et vous voyez, en bas dans mon illustration, il y a « suivre le protocole ». Là, je n'ai pas modifié les phylactères de la BD, qui était assez sympa pour ça. Voilà, dans quel cadre on peut se livrer à une activité de bug bounty? Et pareil, on va voir côté entreprise, côté professionnel. Donc, quand on est l'entreprise qui cherche à détecter vulnes, malware et compagnie, bah déjà, on va passer un contrat avec un professionnel. Ça, c'est la première étape. Donc déjà, si on est dans ce cadre-là, on a bien cette notion de consentement. Voilà, on écrit des choses, on les encadre, on signe et on fait. C'est un peu caricatural, mais bon. Et on le fait pour du pognon, soyons clairs, ou on peut le faire à titre gratuit. Ça ne change rien sur la légalité des choses. On peut dire qu'on va aller faire des pen tests pour une organisation caritative, mais si on n'a pas de contrat, ça va poser un problème. Alors, on va voir rapidement le bug bounty côté professionnel. Quand je suis un pro, moi, je suis la plateforme de bug bounty, donc j'ai déjà un contrat avec mon client qui va demander à bénéficier de mes services. Et moi, professionnel, à mon tour, bah, soit j'ai des salariés en interne, enfin j'ai des salariés, donc je vais organiser leur responsabilité, la limite droite et la limite gauche, soit je vais, par contrat, chercher des services de chercheurs ou de bricoleurs amateurs. Ça n'est pas interdit, et vous allez voir que c'est là où la frontière est assez marrante. Mais systématiquement, vous voyez, vous l'avez dans les petits encadrés rouges, on a cette notion de contrat. Qui dit contrat dit consentement, dit accord des parties, limite droite, limite gauche. J'en reviens là. Parce que nous, les juristes, donc moi, mon métier, c'est de faire des contrats. Depuis un moment, j'ai arrêté le plaisir d'aller voir les tribunaux. Enfin, j'y vais le moins possible. C'est juste l'article 1103 du Code civil. Les contrats légalement formés, bien sûr, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. C'est-à-dire qu'il y a la loi, et en dessous, si vous avez votre contrat qui respecte la loi, ben vous êtes en mesure, quand vous êtes un peu informé, que vous comprenez, que vous êtes juriste, vous comprenez la technique, il y a des trucs quand même, on sait à peu près ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Bien, si le contrat est signé et qu'il est bien fait, vous voyez là, il y a You qui s'énerve, dit « Ok, patron », bon, je trouve qu'il est un peu sous la torture pour dire oui, il dit « Ok, patron », sans trop de conviction, mais il dit oui quand même. Et pour vous illustrer de manière très clairement le propos, puisque moi j'écris pas mal ce genre de littérature, c'est pas pour s'endormir le soir, c'est pas terrible, mais c'est voilà. On a des tas de concepts en droit, notamment le droit des bases de données, il n'y a pas que le code pénal, il y en a plein. Voilà. Moi, prestataire, eh bien, je suis autorisé par mon client à procéder à une extraction partielle et temporaire du contenu d'une base de données, qui est des données à caractère personnel, blablabla, blablabla, hein, seulement à l'effet de démontrer l'existence d'une compromission. Ça, c'est un exemple de ce qu'on écrit. Ça s'écrit, ça se signe très bien parce que c'est raisonnable et après le prestataire s'engage à respecter ce qui a marqué dans le contrat et à tout effacer et bien sûr à ne rien garder. Parce que vous allez voir, non, bon, celle-là on s'en fout un peu. Oui, quand on va le voir côté artisan bricoleur, l'amateur, c'est quoi son problème lorsqu'il participe à un bug bounty? Ben, si vous êtes un artisan bricoleur, mais que vous êtes engagé pour une mission, okay, sur contrat, vous avez un contrat de service, que vous soyez auto-entrepreneur ou votre statut juridique ne compte pas, mais à partir du moment où vous avez un contrat avec la plateforme de Bug Bounty et que cette plateforme de Bug Bounty elle a un contrat avec un client qui est la cible entre guillemets officielle, eh bien, vous n'êtes plus un bricoleur amateur, vous devenez un professionnel.
Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, vous n'êtes plus un pirate, vous n'êtes plus un justicier, vous agissez dans le respect des règles de droit, vous n'êtes plus en accès, maintien frauduleux. Reste à vous poser la question, est-ce que c'est éthique pour un bricoleur amateur que d'aller signer avec une plateforme de bug bounty? En général, c'est un peu pour du pognon quand même. Mais après tout, c'est pas forcément la pire des motivations. J'y suis presque. En fait, l'exception, et c'est là où, et je vais à la conclusion, bien sûr, qui va être assez rapide et assez parlante. Bien sûr, dès qu'on va vous parler de contrat, vous voyez, vous aviez le bricoleur amateur, le professionnel, le chercheur, machin. Dès que vous allez sortir du cadre du contrat, là, vous rebasculez, mais directement dans la notion de pirate. On vous a dit de ne pas faire de copie des bases de données, de vous avez détecté trois vulnes, vous en avez gardé deux sous le coude pour être capable de revenir derrière. Dès que vous allez sortir du cadre légal, hein, du cadre contractuel, vous basculez directement dans le problème de la piraterie. La conclusion. Vous allez voir, hein, c'est. Voilà, ma conclusion. Hacker égale pirate égale pas moral. Il y a des règles de droit, dans un état de droit, c'est pas ça. Et ce qui est le plus marrant, j'en ai encore juste une ou deux, hein, c'est qu'en fait, quand j'entends maintenant pirate éthique, ben, je pense à pirate moral, et c'est ce qu'on appelle un oxymore. C'est comme un beau salaud, ou un tueur empathique, un tueur sympathique. Vous voyez qu'il y a un truc qui va pas. Ben, le hacker moral, c'est non. Ça n'existe pas. Voilà, j'ai une troisième manière de vous le dire, là, qui est encore plus conclusive. Vous voyez, parce que là, on sent qu'il y a le feu qui se nourrit. Là, pareil, je n'ai pas modifié les phylactères. Finissons-en. Hacker plus moral égale. Ça n'existe pas. Voilà, c'est une dernière illustration. En fait, je la trouvais assez sympa, celle-là, parce que je voyais bien le hacker, là, voilà, il est rentré dans le système d'information, il tire dans tous les sens, il y a des gens qui n'ont rien demandé, qui sont en train de dîner, je ne sais pas quoi, il y a du dégât collatéral. C'est certain, on y va. Et là, vous avez bien pirate et moral qui est barré. Je m'arrête vraiment là avec juste celle-là, parce que ça, c'est un leitmotiv que j'ai, bon, qui est un peu réillustré pour une fois. C'est une phrase de Rabelais qui vous disait. Et quand même, on remonte, là, vous voyez, au XVIe siècle. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et en fait, là, moi, ma conclusion, c'est que c'est pas parce que c'est techniquement possible, parce que vous, les pros, vous êtes capables de faire des trucs absolument incroyables, mais c'est pas parce que c'est techniquement possible que c'est moral. Ça peut être moral, mais ça l'est pas forcément. Mais en tout cas, ça n'est pas toujours légal. Donc, dans un état de droit, à mon sens, on se pose d'abord la question de est-ce que c'est légal, et après, on réfléchira. Notamment quand on est un bricoleur intelligent qui dépasse un peu la loi pour le bien commun. Je n'ai visé personne. Voilà, je m'arrête. Je vous remercie de votre attention. Vous avez mes slides en version intégrale qui sont sur Technique et droit du numérique, normalement depuis 13h30. C'est librement consultable. Et voilà, je tenais beaucoup à cette dernière phrase. Je ne vous répondrai pas en morale. Je vous répondrai éventuellement en droit. Mais en tout cas, je vous remercie de votre attention et je réponds volontiers à vos questions. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Alors, sois bien attentif à ce qui va se passer. Donc, Marc-Antoine vous a ouvert le robinet des définitions, mais est-ce qu'il vous a pris pour une saucisse? Alors, moi, je ne vous dirai pas qui il visait pendant toute sa présentation, mais j'ai vu, parce qu'il y a quelqu'un qui était rouge pivoine dans la salle, donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions, ou des remarques, ou des commentaires? Attention, je ne prendrai pas de débat de juriste. On n'a pas le temps. En fait, moi, je rajouterais juste un truc, c'est que ce qui me frappe beaucoup pour parler pas mal avec des professionnels de la cyber, c'est que souvent, ceux qui ne connaissent pas la loi, ils ne savent pas, ça ne les intéresse pas, ou ils ne sont pas formés. Tout de suite, on va dire, ah, mais moi, je suis éthique. À un moment, je dis, bah, on va peut-être regarder ce qui est possible de faire ou pas, puis après, on verra s'il y a de l'éthique. Mais c'est souvent un argument qui est utilisé pour se dédouaner de sa méconnaissance, juste de ces règles qui sont compliquées, qui sont éparses. Si, si, si. C'est des commentaires au fond de la salle qui ne se posent pas de questions, On ne les prendra pas, ceux-là mais je non m'arrête. plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, j'ai une remarque pendant la présentation et je suis très à l'aise pour en parler. Marc-Antoine a totalement le droit d'utiliser toutes les images de bande dessinée qu'il a prises, puisqu'il a un contrat avec l'éditeur, la maison d'édition, sur toutes les BD qu'il fait. Donc, c'est pour ça qu'on peut diffuser sans problème et qu'il peut les utiliser. Donc, ce n'est pas lui-même un pirate de bande dessinée, en tout cas pas dans ses présentations.
Ah, je ne vais pas revenir sur la définition de hacker parce qu'on pourrait y être jusqu'à la fin des temps. Juste une question de droit, justement, et qui nous amène souvent à l'éthique, en tout cas moi, dans ce que je recommande. C'est l'article 323.3.1 sur les outils de piratage, où dans sa rédaction actuelle, et je la reprends, le fait sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, etc., les outils qui permettent de commettre ces infractions. Et donc moi, ce que j'explique aux praticiens de la sécurité, c'est que le juge, pour estimer qu'il y a un motif légitime, il va se baser sur les contrats que vous avez évoqués, mais il va aussi se baser sur les règles que vous avez mises en place dans la profession ou que vous devriez mettre en place dans la profession en termes de bonnes pratiques. D'où ma référence à l'éthique. Et je trouve que ça manque encore un peu. C'est-à-dire que c'était un des débats en montant le séminaire aujourd'hui. Enfin, une des questions qu'on se posait, c'est quelles sont les règles aujourd'hui d'éthique qui sont mises en place dans la profession, justement pour leur permettre d'avoir cette liberté d'utiliser des outils qui sont normalement interdits. Et donc, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui va se mettre autour de la table à écrire là pour commencer à écrire un code d'éthique. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette dans un code d'éthique pour qu'il soit conforme au droit, mais qui en même temps aille plus loin que ce qui est dans le droit, qui pour l'instant pose un principe général, mais dit pas exactement tout ce qu'on doit faire, parce que le juriste, bah, il n'est pas informaticien, il n'est pas hacker, il n'a pas toute cette maîtrise, et justement, il fait confiance aux professionnels pour mettre ça en musique, quoi. En fait, je vais botter en touche avec une lâcheté rare. Un avocat, c'est un menteur, hein. Je n'ai pas besoin de le répéter à beaucoup d'entre vous. Non, en fait, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on parle de code éthique, de grandes réflexions, machin. À un moment, si on veut bien juste appliquer le droit, notamment sur le droit des bases de données, qui est un droit qui est totalement méconnu, c'est une directive européenne de 96, 1996, qui date un peu. Dans cette directive base de données, il est dit que quand on est le producteur d'une base de données, c'est-à-dire qu'on a dépensé du temps, de l'argent, pour remplir une base de données avec des données personnelles, pas personnelles, on s'en fout, eh bien on a le droit d'interdire que quelqu'un vienne piocher dans cette base de données. Et ça, quand j'explique ça dans mes contrats, business, pour des tas de trucs, tout le monde fait « Ah bon, ça existe ?» Mais si déjà on appliquait ça, on règle 90% des problèmes éthiques. Je suis, et je vous réponds plus directement, je suis pentester, auditeur de sécurité, c'est bien ça, eh bien… Je vais peut-être rentrer dans un système d'information, parce que contrat machin, ok. Qu'est-ce que j'ai le droit de prendre ou de pas prendre? Ben, à un moment, le droit, il est déjà clair. Donc, si on voulait bien, enfin, quand je dis on, c'est beaucoup d'entre vous que je fuis du regard, au fond de la salle. Si déjà on appliquait juste les critères qui sont communs aux États membres, hein, on est quand même 27 États membres, on réglerait beaucoup de problèmes éthiques et on dirait ça, t'as le droit, ça, t'as pas le droit. Ça, tu as le droit, soit tu n'as pas le droit. Or, aujourd'hui, ce droit, il est très peu enseigné, il est méconnu, il y a très peu de jurisprudence. Et quand on en a, en fait, on se rend compte que ça suffirait, plutôt que de partir dans des grandes réflexions sur l'éthique, la morale et tous ces trucs-là, si on appliquait déjà les textes d'aujourd'hui, et là, je me mets côté rédacteur de contrat, je ne me mets pas côté législateur, si on faisait déjà ça, on réglerait 90% des problèmes. Mais il faudrait pour ça prendre le temps de se former ou de réfléchir un peu avec des professionnels qui, de temps en temps, ont lu tous les projets de directives ou les directives qui existent. Je pense que le problème, il est moins éthique qu'en fait un pur problème d'information et de connaissance de la manière dont ça marche aujourd'hui en clair. J'ai bien botté en touche, ça va? Je suis au taquet de ma mauvaise foi, là. Hein. Je vais essayer de faire mieux. Je vous fais confiance. Dans la culture, dans la culture, disons, dans la sécurité informatique, dans la cybersécurité, comme on dit maintenant, dans la culture geek, moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait une dimension un peu punk. Mais en fait, en entendant les juristes, je pense que vous nous voyez plutôt comme des hippies, vraiment. Et par ailleurs, sans aller au-delà de cette plaisanterie et sans revenir sur les dissonances qui peuvent exister entre la légalité et l'éthique, mais ça sera un débat. La question que je me suis posée en vous entendant, c'est quelle place vous voyez, quelle place peut être laissée, s'il faut lui laisser une place, à la construction du droit? Parce que les technologies numériques induisent nécessairement des usages qui n'existaient pas.
La loi Godefroy, elle est très bien écrite puisqu'elle survit encore des années après. Ça, c'est admirable. Hein, pour les gars qui l'ont écrit à l'époque, elle s'applique à des choses qui n'existaient pas à l'époque, encore assez bien, je crois. Malgré tout, il existe, je crois, beaucoup de domaines dans lesquels, il me semble, le droit peut et devrait encore évoluer. Donc, c'est la question que je me suis posée en vous entendant. Alors, en fait, il y a une vraie réflexion. Je pense que la plupart des professionnels qui sont dans la salle aujourd'hui ne sont pas sensibles à ça. Mais si on veut bien voir le phénomène dans le temps, il y a 20 ans, qui se posait le problème de la sécurité des systèmes d'information? Pratiquement personne. C'était un débat qui était ignoré du grand public. Il y a 20 ans, on n'avait quasiment pas l'Internet au niveau du grand public. OK ? Regardez vos premiers téléphones portables. Depuis quand avez-vous vos téléphones portables? Donc, c'est un truc qu'on ignorait, qui n'était pas un phénomène ni social ni juridique. On avait une loi, OK, pour quelques personnes. Voilà. Aujourd'hui, je dirais qu'en 20 ans, d'abord, il y a une démocratisation massive du numérique au sens large. Hein. L'ordinateur portable, le téléphone portable, la zapette, même quand elle marche. Et nous, juristes, on travaille sur des temps longs. Okay, il nous faut des lois bien réfléchies, on va les adapter, on va les adopter d'abord, on va les adapter ensuite. Et le phénomène du numérique aujourd'hui accélère tellement le cours des choses qu'effectivement le droit est parfois un peu à la ramasse. Alors, je vais reboucler sur ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. En fait, soit aujourd'hui on laisse le législateur faire et on est parti, alors c'est les directives européennes. Voilà, là on va prendre DSA, DMA, il y a plein de projets de directives, NIS 2 qui arrivent. On voit que le cycle de fabrication de la loi, il est toujours en retard par rapport à ce qui se fait. Donc on a un problème. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, une des solutions serait d'arriver à pousser dans l'écosystème la montée de codes de bonne conduite. C'est là où je vous rejoins, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la loi RAM, je vais le dire en clair, les juges, il n'y a pas beaucoup de juges qui sont quand même formés pour être capables de manipuler tout ça. Ce n'est pas une critique pour la magistrature. On n'a pas assez de juges, il en faudrait plus. Voilà, là, je le sais qu'à titre personnel, la gendarmerie et la police se sont beaucoup équipés. On commence à essayer de poursuivre. Mais à mon avis, aujourd'hui, pour que ça évolue sainement, il faudrait qu'il y ait plus de réflexion au niveau des professionnels et qu'il y ait plus de code éthique, code de bonne conduite, vous le tournez comme vous voulez, mais quelque chose qui permette de faire progresser le droit avec une sorte d'autorégulation, mais par des pros qui sont non pas des bricoleurs amateurs, mais des gens qui sont conscients de leurs responsabilités et de leurs devoirs, y compris vis-à-vis de leurs salariés. Hein. Un des gros problèmes, on le sait aujourd'hui, c'est de former ses salariés ou ses collaborateurs au sens large sur le respect de tout ça et de réfléchir un peu avant. Donc moi, je suis assez pour ça. J'aurais dû dire des réponses courtes. Mission impossible. Merci pour ta présentation. Ça va pas vraiment être une question, plutôt une remarque pas du tout morale. De ce que j'ai compris de tes slides, sachant qu'en informatique, on parle essentiellement de délit, qu'il y a un délai de prescription de 6 ans. En gros, il faut bien travailler son OPSEC. Une réponse courte? Pas vu, pas pris. Mais c'est une autre manière de c'est très mentalité latine, c'est pas beau, hein. Chez des anglo-saxons, ça c'est inconcevable. Chez nous, les latins, ça marche. Oui, ça marche.